Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous relaxer. Donc, nous allons apprendre à bien respirer. Pourquoi ? Une bonne respiration avec le ventre présente de nombreux avantages. Ils permettent un meilleur confort digestif, ils ont un impact anti-stress intéressant, l'oxygénation cellulaire est améliorée et on a aussi un intérêt sur la tonicité du dos et aussi de la sangle abdominale. Ce premier exercice nous permet d'aborder favorablement une situation qui peut être difficile. Un rendez-vous important, un examen, une réunion qui, bien sûr, peut générer du stress. Je vais vous proposer d'effectuer la respiration alternée. Nous allons essayer, au fur et à mesure des inspirations et des expirations, de respirer, comme nous savons le faire, avec le ventre. En inspirant, le ventre se gonfle, et en expirant, le ventre se dégonfle. La main gauche sur le bas-ventre, l'index au niveau de la narine droite, vous allez inspirer en 5 temps. Vous lâchez et vous allez expirer avec l'autre narine. Vous inspirez avec la narine droite. Vous lâchez et vous expirez avec la narine gauche. Donc cette respiration alternée peut être faite à raison de 3 4 ou 5 cycles, il est important bien sûr que vous fermiez les yeux et que vous vous concentriez bien sur votre respiration ventrale et que vous soyez dans un endroit calme. L'exercice que nous allons faire maintenant permet de compléter la respiration alternée que nous venons de faire ou bien peut faciliter la concentration, l'attention et surtout il calme le mental. Vous pouvez le pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Quand c'est nécessaire pour vous, comment s'y prendre? Nous allons mettre les pouces à l'intérieur de nos mains et refermer les autres doigts dessus. Le mieux étant de mettre les bras le long du corps, les épaules bien relâchées, la tête droite. Vous essayez d'avoir un écartement des pieds qui vous convient, une posture stable. Vous fermez les yeux et doucement, vous allez prendre conscience de la respiration. Au niveau de l'abdomen, toujours calme et profonde. Vous allez desserrer les mâchoires, mettre la langue contre le palais. Au bout d'un certain temps, 3 minutes, 4, 5 minutes, vous pouvez en éprouver déjà le bénéfice et retrouver votre activité et votre conscience ordinaire. Après une journée difficile, vous avez peut-être besoin de relâcher les tensions. Je vous propose pour cela un exercice de relâchement musculaire qui va vous permettre de recharger vos batteries. Cet exercice de relâchement musculaire peut s'effectuer sur une chaise. Je vous montre. Nous allons inspirer profondément, les yeux fermés, amener les bras au-dessus de la tête. Nous tendons les jambes, nous effectuons une profonde inspiration. Nous retenons l'air, nous prenons conscience du corps en tension et nous soufflons. Nous expirons très profondément, nous amenons les mains sur les cuisses et nous retrouvons la respiration normale au niveau de l'abdomen. Vous pourrez pratiquer ces exercices là où vous souhaitez. La régularité vous permettra d'en éprouver de réels bienfaits. À bientôt !